Buongiorno a tutti, direttamente dal convegno Il mistero dell'esistenza umana. Non solo Anima TV, ha il piacere di incontrare Claudia Renville, fondatrice della metamedicina. Cos'è la metamedicina e cos'è possibile curare con essa? La metamedicina, se nous prenons le mot meta, eh bien, la racine meta en grec veut dire aller au-delà. Et le mot aussi meta est un mot qu'on peut retrouver dans une langue très ancienne qu'on appelle le pali. Et le pali, c'était la langue qui était parlée à l'époque de Jésus en Inde. Et le mot metta en pali veut dire compassion. Alors, ces deux origines traduisent très bien ce qu'est la métamédecine, c'est-à-dire une médecine de compassion qui va au-delà de ce qui est conscient. Donc, en métamédecine, on va rechercher ce qui est inconscient. Mais aussi, on pourrait dire que la métamédecine est une médecine d'éveil de conscience. Parce que quel que soit le malaise, la maladie, eh bien, c'est que nous avons quelque chose à apprendre à travers ce malaise, cette maladie ou cette souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on peut guérir maintenant avec la métamédecine? Eh bien, je dirais qu'on peut guérir de maladies, bien sûr, physiques, maladies psychosomatiques et même de certaines maladies mentales. Mais cependant, pour la maladie mentale, il faut absolument que la personne puisse prendre de la distance par rapport à sa souffrance. S'il est trop identifié à son mental, là, c'est très, très difficile. Mais j'ai eu de très bons résultats pour des personnes qui souffraient de bipolarité. Mais la personne pouvait encore faire la distance entre ses pensées et ce qu'elle vivait. Donc, disons que la métamédecine peut apporter beaucoup. J'ai vu énormément de personnes guérir. Et moi, je dois dire que parmi les personnes que je rencontre, il y a à peu près 95% de guérison, que ce soit des cancers, que ce soit différentes affections, même très graves. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui les guéris. Ça, c'est très important de comprendre que ce n'est pas la métamédecine qui guérit les personnes. C'est le corps qui s'auto-guérit lorsque la personne a compris qu'est-ce qui amenait ce symptôme ou cette maladie. Hai mai avuto bisogno di curare te stessa? Oui. Et je me suis auto-guérie de plusieurs choses. D'abord, je me suis auto-guérie d'une dépression nerveuse. Et puis, je me suis auto-guérie de cancer. J'ai eu un cancer du sein. Et j'ai compris quelle en était la cause. Et je me suis complètement auto-guérie. Je me suis aussi auto-guérie d'un problème d'acouphène, dont on disait qu'on ne pouvait pas guérir d'acouphène. On disait qu'on pouvait juste s'habituer à vivre avec cet acouphène. Et quand j'ai eu ce problème, je me souviens que je me disais, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais en guérir. Et j'ai cherché qu'est-ce que cet acouphène voulait me dire. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'acouphène, ça touche les oreilles. Et ce bruit, il n'y a que la personne qui souffre de l'acouphène qui l'entend. Alors l'acouphène est lié beaucoup à quelque chose à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas écouter, mais qu'on se met de la pression pour ne pas l'écouter justement. Et j'ai fait cette acouphène au moment où je devais sortir un nouveau livre. J'avais vraiment besoin de repos, j'avais besoin de temps pour moi et je me mettais beaucoup, beaucoup de pression pour sortir ce livre. Alors, je ne voulais pas écouter ce besoin de m'arrêter. Et c'est lorsque je l'ai compris et que je me suis dit, d'accord, j'arrête de me mettre de la pression. Mais le mot-clé dans l'acouphène, c'est la pression. Parce qu'une personne, par exemple, peut entendre des cloches d'église. Et les cloches d'église, ça peut la ramener au décès d'une personne qu'elle aimait. Et ce qu'elle ne veut pas écouter, c'est peut-être tout son chagrin, toute sa peine en elle. Donc, quand on connaît ces clés, on peut arriver à cette auto-guérison. Et c'est ça que, depuis 25 ans, j'ai fait des recherches pour découvrir les clés
de ces messages de la maladie. Et c'est ce que j'ai écrit dans Ogni sintomo è un messaggio. Qual è la lezione più importante che ritieni di aver appreso in questa vita? Eh bien, j'avais beaucoup de leçons à apprendre dans cette vie. J'avais à apprendre à pardonner. J'avais à apprendre aussi à me défendre, à ne pas me laisser accuser injustement, à rétablir la vérité. Oh, j'ai eu beaucoup de leçons à apprendre. Mais une aussi que j'ai eu à apprendre et qui a été très importante pour moi, c'était, en fait, j'avais une croyance que j'ai appelée une équation qui était la suivante. C'était « je ne peux pas avoir si les autres n'ont pas ». Donc, je ne pouvais pas être heureuse si les autres ne l'étaient pas. Donc, je passais ma vie à essayer de rendre tous les autres heureux pour me donner le droit de l'être. Jusqu'à ce que je découvre cette équation en moi et que je la change. Et je l'ai changée par plus je serai heureuse, plus je vais donner le goût aux autres d'être heureux. Et en changeant cette équation, ça a changé beaucoup ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je me donne le droit d'être heureuse. Secondo te, ci stiamo avvicinando ad una nuova era? Oui, je le crois sincèrement. Je crois que tout ce travail que j'ai fait, mais pas seulement moi, que d'autres personnes comme Anne Givaudan, Daniel Muroy-Givaudan, Lise Bourbeau et combien d'autres, tous ces thérapeutes participent justement à cet éveil de conscience collective. Et selon moi, ce qui s'est passé récemment avec le vaccin pour la grippe H1N1, que les gens n'ont pas été dans la peur de cette pandémie, mais ont plutôt fait confiance. Pour moi, c'était une grande victoire. Et je pense que la nouvelle ère, ce sera la victoire sur la peur. C'est-à-dire qu'on découvre qu'en nous, il y a cette divinité. Et que cette divinité, si on peut la mettre en collaboration et coopérer avec nos frères et sœurs de cette terre, on peut construire vraiment un monde où tout le monde pourrait vivre librement et heureux. Alors je crois qu'on est à l'aube de cette nouvelle ère, je le crois sincèrement. Et pour moi, ça a été une preuve que nous y sommes. Quindi per te, cos'è la felicità? Pour moi, le bonheur, c'est un état d'être. Le bonheur ne vient pas du fait d'avoir ou de ne pas avoir. Le bonheur, c'est un état d'être. Et cet état d'être, on l'a quand on vit dans la gratitude. Si je dis merci pour ce que j'ai, au lieu de me plaindre de ce que je n'ai pas, vivre dans cette gratitude continuelle, et même quand les choses ne sont pas exactement comme on le souhaiterait, eh bien, en rire. Je donne un exemple. Hier, par exemple, on était dans un endroit où on doit servir beaucoup, beaucoup de repas. Et c'était peut-être pas le repas le plus raffiné que j'ai mangé. Et je disais à Lydia, je lui disais, « Oh, mais tu vois, c'est mieux que de mourir de faim. On en a ri tous les deux. » Au lieu de critiquer le repas, on a fait le côté positif et on en a ri. Et je crois que si on apprend à se libérer de la critique, si on apprend à dire merci de plus en plus pour ce que l'on vit, il nous arrive toujours des choses de plus en plus belles et je crois que ça aide beaucoup à être heureux. Du moins, moi, c'est ce qui m'aide à être heureuse, c'est de dire merci pour tout ce que je vis, pour tout ce qui m'arrive. Et quand il m'arrive des choses plus difficiles, je me demande, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation? Et je me dis aussi, quand je vis un malaise, une maladie, je me dis, ça aussi, ça va passer. Je vois la vie comme la température. Il y a des jours, il fait soleil. C'est-à-dire, ces journées-là, on est beaucoup plus en forme. C'est plus facile d'être heureux. Il y a des journées, le ciel est gris. Eh bien, c'est un peu comme nous. On a des journées, on est moins en forme. On a moins le goût d'être souriant. Mais il faut accepter aussi ces journées, se dire, bon, ça va passer, ça ne durera pas. Et je crois que si on cultive cet état,
c'est cultiver l'état du bonheur.